Ils ont progressé. Ils ont grandi. Ensemble, ils ont frissonné. Ils ont vécu tant de premières fois, tant de moments inoubliables. Et parce que toute belle histoire connaît des obstacles, ensemble, ils ont douté. Ils ont eu peur. Ils ont eu mal. Ils ont pleuré. Mais ils ont repoussé leurs limites. Ils ont séché leurs larmes, fait tomber les murs, brisé leurs chaînes, ensemble. Parce que rien ne peut éteindre la flamme qui brûle dedans. Ils ont ri aussi. Qu'est-ce qu'ils ont ri? Beaucoup, fort, partout. Ensemble, ils ont tant donné et tant reçu. Et surtout, ils se sont aimés, sincèrement.
Comme vous le savez déjà, pour nous l'aventure a commencé un 4 novembre 2023. On était 13 élèves avec des rêves plein la tête et ce soir, on a décidé de vous faire revivre nos plus beaux souvenirs en live avec vous. Et pour moi, cette aventure, elle a commencé avec un duo. Est-ce que vous vous en rappelez ? S'il fallait recommencer.
sans ce port, c'est comme une dernière fois. Vous chantez avec moi? J'aimerais garder. Il fallait travailler fort là-bas, et c'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Je disais, on a énormément de souvenirs là-bas. Et mes souvenirs préférés restent ceux où on chantait, tout simplement. Autour d'un piano ou d'une guitare. Des textes qui peuvent être aux autres, mais aussi à nous. Qu'on griffonnait comme ça sur des feuilles de papier en espérant un jour pouvoir vous les chanter à vous, le public. Et ce soir, c'est au tour d'Elena, Axel et Julien de vous chanter leur mélodie. Je ne suis pas à plaindre là-bas dans mon coin.
beaux bureaux en glace, comme dans le couloir d'école. C'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur des écrans, sous des masques, tant des regards qui rigolent. C'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole.